Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec l'Ukraine. J'ai tout compte fait, j'ai envie de faire d'autres, encore un peu plus de vidéos, donc j'enchaîne un peu, voilà. Peut-être que ça sera ma dernière. J'en ai fait deux, mais je suis content. Plutôt pas mal. Puis je commence un peu. Puis il fait chaud, il fait trop chaud. Je crois que j'ai plutôt privilégié le rec le matin que l'après-midi, parce que dans le sud, là où j'habite, vous savez, je suis près de Bordeaux. Enfin, j'ai un appart à Bordeaux pour mes études, vu que je fais mes études à Bordeaux, mais là, j'habite pas aussi pas très loin de Bordeaux, il fait méga chaud. C'est la Gironde, c'est les chocolatines. Je suis sûr qu'il y aura des gens dans les commentaires, ils vont être enfin, ils vont exploser parce que j'ai dit chocolatine au lieu de pain au chocolat. Bah écoutez, vive la chocolatine, me faites pas chier, j'aime bien la chocolatine. En plus, c'est très bon. Oh, la choco toute chaude avec le chocolat qui est pas dur mais qui est un peu pas trop liquide non plus, mais qui est un peu liquide mais chaud. Ah, oh, c'est waouh. C'est waouh. Ah ouais, c'est incroyable, j'adore la chocolatine. Mais j'aime beaucoup les croissants, hein. Moi je kiffe surtout les croissants. Je suis un amoureux du croissant. On va faire un peu d'investissement dans le sport. On va commencer à investir un peu dans le sport. Parce que évidemment, notre politique ne s'arrête pas qu'à faire de l'économie, 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 l'économie et l'économie. Ce n'est pas que ça, notre travail, évidemment. On a dans ce pays qui est l'Ukraine un peu de montagne. Un tout petit peu, hein. On le voit ici, un peu de relief, un peu de montagne, mais vraiment un peu. On a de l'eau, on a de la mer, on a des bois, etc. Donc c'est vraiment un pays où on pourrait, franchement, développer des choses, mais de façon très intéressante. Le chantier est enfin terminé et D'un point de vue économique. le vote est... Ah, l'autre, il était... Les obsèques auront... L'autre, il est mort. Mais lui, il faut que je le regarde d'ailleurs. Ah, il m'aime pas trop. D'accord. Bon, pour éviter que les gens ne m'aiment pas trop, j'avais fait une commande de drone. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. On va récidiver hein, la commande de drone. Ah, c'est dans quelques jours que je reçois. Est-ce que si j'en commande 50? J'en aurai 60. Écoute, je vais passer le petit truc. Je vais aller voir la petite association. C'est vrai qu'on ne peut plus appuyer sur association parce que c'est buggé. Donc on va appuyer ici. Les pacifistes. Je vais aller le voir. Encore plus. Pile à combustible. Ah ben voilà, encore un truc pour notre industrie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, si on se porte comment? On perd en part le marché, mais c'est pas forcément le plus grave. Bon, la balance commerciale sur l'industrie est pas foufou, hein. En tout cas, le PIB fait que d'augmenter, hein. Ça c'est sûr. Ok, on a signé le contrat. Ça va me faire un peu d'économie, enfin ça va me faire un peu de croissance. Hein. Bon, notre déficit va un peu plonger parce que c'est des dépenses. Mais c'est des dépenses en militaire, du coup. J'allais le voir d'ailleurs, le petit mec. Le nouveau. Rendez-vous. Volontiers, bien noir et bien serré, s'il vous plaît. Avec plaisir, voilà qui... Super. Oui, je sais, on me le dit souvent. Non, vraiment, je n'aime pas. Ok, ça n'a pas trop changé. Soit, si ça peut vous faire plaisir. Ok, maintenant il m'aime toujours bien. Ok, ça c'est bien. Au moins on garde de très bonnes relations avec lui. C'est plutôt une excellente nouvelle. Militaire. Ah bah tiens, il est là. Ah, il m'aime toujours pas incroyablement Non. bien. Hein. Ça ne s'offuse pas. Merci.
Oui, je le sais, on me le dit souvent. Ça, ça va pas flatter son ego. Vraiment, je n'aime pas trop les compliments, mais en fait... Merci, j'ai une petite baisse en ce moment. Ok... Bon, au moins on stabilise un peu nos relations avec le chef des armées. Alors pourquoi il faut faire ça? Pour éviter un putsch. Parce qu'on peut avoir un putsch, hein, à cause de ça. Du coup, on va éviter d'avoir un putsch. Ça serait con. C'est bien pour la culture. L'émotion, le dispute à la fierté. Lorsque voilà, 10 000 places. Regardez, attendez, mais l'OL Arena, c'est... De notre génie Arena, OL... Ah, je vais voir OL Valley. C'est un feu sacré qui stimule la vision de nos architectes. Je sais pas combien il y a de places, déjà. La passion de nos amis du bâtiment. OL Valley, Lyon. Oui, évidemment. OL Valley... Je vous conseille de regarder OL Valley, c'est très intéressant. Ah, c'est pas très bien fait, leur truc sur... Sur téléphone. Oh, elle pourrait accueillir 16 000 places! Oh, c'est énorme! 16 000 places! Vous êtes en train de donner un... Ah ouais, l'aréna de l'OL va être incroyable. Et combien l'aréna de Paris? Je sais plus comment il s'appelle. Aréna Paris. Ah, c'est pas la Défense? Paris, la Défense, Aréna. Place. Désolé, mais ça m'intéresse. Il y a combien de places? Ouais, je vois pas trop. 55. Ah oh oui, c'est très grand par contre. Waouh. Alors, c'est très sympa l'histoire, mais. Y a pas le nombre de places? C'est de la merde. Je suis déçu. C'est pas là où il doit se faire normalement Trackmania Cup? De Zerator? Je sais plus. Mais c'est au Racing! Mais non, je sais plus. C'est quelle arena? Bon, ceux qui savent, hein, c'est quelle arena le truc va Zerator? Je sais plus. Zerator Arena. Accor Hotel Arena. Ok. Sympa, le beau placement de produit pour Accor. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, on peut faire un... Capacité, oui. Quelle est la capacité? 20 000! Oh là là! Mais en vrai, ça va! Ah, je suis fier! L'OL Arena, enfin, l'Arena de Lyon, enfin, de l'OL Olympique Lyonnais, il va être incroyable. Ah, je suis trop fier! Trop fier. J'ai pas de ministre? Équipe. J'ai pas de ministre de l'Intérieur. Parti au pouvoir. Tiens, toi, vu que t'étais simple citoyen, hop! Bienvenue. Je te félicite. Voilà, il est content. Toi, je te félicite. Ah, par contre, affaires étrangères, c'est tellement important que... Quoi? Dérapage verbaux. Oh putain, mais il est casse-couille. Hein. Ok, ministre de la Défense, il est content. Justice, content. Intérieur, content. Santé, très content. Emploi et social. Bon, toi, t'as pas trop de travail aussi, hein.
industrie, le mec, il doit être aux anges. Hein. Vu la politique que je fais avec l'industrie, il doit être vraiment aux anges. Aux anges. Ok, on a 193 milliards de PIB. On va bientôt entrer dans les 200 milliards. Alors, normalement, on va miser ça cette année. Hein. 2022, on va entrer dans les 200 milliards de PIB. Les prévisions de croissance sont plutôt bonnes. Hein, 656%. Géopolitique, l'Ukraine au sommet. Et a obtenu le plus de médailles lors des Jeux. Les athlètes se sont surpassés. C'est un très bon moment pour le monde handisport. Ah bah oui. Ce mouvement sportif est joué. Surtout qu'on fait des investissements pour les handicapés. Hein. La référence en matière de politique de seul. Parce que regardez, c'est pas l'éducation, on n'a pas des trucs pour les handicapés. Non, c'est au niveau du travail. Normalement, j'ai mis à fond. Ah même pas. C'est une blague. Bon, on investit à fond. Les transports, on n'avait pas mis à fond. Voilà, accès pour les handicapés. Nous, on mise aussi notre politique sur le... Sur les handicapés. Quoi, les patrons, ils vont manifester? Mais, attendez, c'est quoi ça? Parce que les handicapés, c'est aussi notre force. Ce qui fait notre force, c'est d'avoir un tout. Et on a besoin aussi de personnes handicapées, parce que ça va nous donner quelque chose en plus. Et que l'Ukraine aura bien besoin. Ok. Alors juste, je vais regarder PIB par habitant. Putain, ça monte vite. Hein. Et notre IDH, il est plutôt... Il monte doucement, mais il monte. Juste, je vais regarder l'espérance de vie qui est très bas. On a vraiment une espérance de vie assez bas. Aïe, aïe, aïe. On a vraiment une espérance de vie très bas. En plus, on a commandé 50 drones. Plutôt pas mal. Il va être content, mon petit chef des armées, là. Avoir 50 drones en plus. En plus, les drones, c'est tellement cheaté. On en a déjà 10. Mais les drones, c'est tellement cheaté que... Oh, en plus, on a de la trésorerie. Voilà, on pallie les déficits. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les dettes, la dette, elle baisse. Ah, elle a pas trop baissé. Hein. Bonjour. Après, on a fait beaucoup d'investissements, du coup. Par contre, ma consommation en coton ne fait que d'augmenter. Hein. Ça, c'est incroyable. Donc, on a investi beaucoup dans la culture. On a commencé à investir un peu dans le sport. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à investir dans le sport. On n'en a aucun, Kiev. Au moins qu'on en mette un à Kiev. Les stades de 50 000 places. On va en construire. En plus, on a de bonnes équipes hein, ukrainiennes. Vas-y. Où est-ce que je pourrais mettre un... On peut pas voir là où il y a le plus d'habitants dans la... Enfin, ça va être chiant, mais... Il y a 1 million d'habitants là-dedans. C'est lequel où il y a un peu plus d'habitants? On en a 2 millions là. 3 millions. Vous avez vu, tout augmente. C'est plutôt positif. Hein. Moi, j'aime bien voir que tout ça augmente. Odessa, non. Ici, ça peut être intéressant. Ouais, 1 million, c'est que dalle. Ici, on est à 3 millions. Vas-y, on va se mettre à Dnipropetrovsk. On va mettre le stade à 100 000 à Dnipropetrovsk. Ah oh, bah tiens, il est en premier. Tac. Et le stade de 150 000 places. Kiev. Oh, ils ont... On dirait le stade du Real Madrid. Ça, c'est quoi comme stade? Ah, je le reconnais pas, ce stade. C'est un nom. Mais celui-là, il ressemble au stade du Real. Bon, voilà. On investit. On va investir aussi dans des petits stades. C'est intéressant aussi d'investir dans des petits stades. Les piscines. Et les patinoires. Bon, on fait beaucoup de déficits là. Hein. Mais bon, ça crée de l'emploi.
ça crée de l'économie, ça fait tout ça, ça fait tourner un peu la planche à billets. Et ça va nous faire aussi monter hein, dans le monde. La Roumanie, elle est à combien? 230? Ok. J'ai quand même pas mal de criminalité dans mon pays. Hein. Mais c'est pas le plus gros problème en soi. Et il faut que j'investisse un peu plus hein, dans... Je crois que j'ai investi un peu plus dans les maternités. Mais ça coûte cher, une maternité. Vas-y, j'en investis sur 10. On va créer 10 hôpitaux aussi. Tac. Bon, on va se calmer un petit peu dans la politique de dépenses publiques. Mais par contre, on va avoir de la croissance. Hein, là... Là, ça va être croissance man. Ah oui, là, notre dette publique, il a bien augmenté. Hein. Dette publique, paf! On était à 61 milliards et là, on est à 73 milliards. C'est-à-dire qu'on a augmenté à peu près de 11 milliards hein, de dépenses publiques. On a fait à peu près 11 milliards de dépenses publiques en infrastructure. Hein. En infrastructure, évidemment, et c'est déjà pas mal. On va augmenter un peu le personnel soignant. Hop. Un peu plus de personnel soignant, c'est toujours pas mal. Et quel est notre budget dans la santé? Bon, ça c'est pas mal. Mais quel est... En vrai, on peut voir le budget. Dépenses publiques de santé. On est à 21 milliards. J'avais fait monter l'Angola à 40 milliards. Hein, en dépenses de santé. L'Angola était à 40 milliards hein, quand j'étais... dans ma partie privée, l'Angola est à 40 milliards de dépenses dans la santé. Après, l'Angola a tellement un faible en espérance de vie que c'est incroyable. Oh là là, mais le PIB par habitant, mon Dieu, il fait que d'augmenter. Hein. On va dépasser le Kazakhstan. On va rentrer dans les 200 milliards de PIB. Croissance. Ça va, on est un pays qui fait de la croissance. Et ah, notre inflation baisse malgré tout. Maîtrise du processus de retour sur Terre. Ça, c'est bien. Notre inflation, elle a bien baissé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, notre monnaie, elle est comment? Elle a bien monté, hein, notre monnaie. Face à l'euro, elle a bien monté. Face au dollar, elle s'apprécie face au dollar et face à l'euro. C'est dingue. Attendez, je suis en train de chercher mon t-shirt qui est tombé. Enfin, mon t-shirt de sport. Parité. Ok, non, mais ça sert à rien. Ça m'intéresse pas, taux d'intérêt directeur. Ça fait un bon moment qu'il est à ce stade-là. Ok, découverte d'une molécule anti-sommeil, très bien. Fabrication d'un avion gros porteur. Parfait. Est-ce qu'on produit d'ailleurs un peu d'avion? Avion. Est-ce qu'on a fait des... D'abord, est-ce qu'on a fait... Construction aéronautique? Non, on produit même pas d'avion. C'est peut-être pas le bon moment de se lancer dans l'avion. Hop. Tac. Est-ce que ça va créer? On va voir. Est-ce que ça a créé? Ça a créé, super. Hop, on est en train d'en produire. Non, ça c'est automobile. D'ailleurs, en automobile, on commence à avoir une augmentation du parc de marché. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop, on est en train de construire. On construit un avion. Un avion par an. C'est bien. C'est qui le premier? Ah ouais, pas mal la France. Hein.
Oh, la Chine qui a une telle demande, 268. C'est masse. C'est ouf. Nos agences... Biélorussie, ça nous intéresse pas. En fait, ce qui m'intéresserait avec la Biélo, c'est de savoir ce qu'ils font un peu dedans, dans leur pays. 200 milliards. Attendez. Ah non, pas 200 milliards, 199,5. Mais on y est, hein. On est dans les 200 milliards. Ah, bah, balance commerciale qui vient de dépasser les 200 milliards. Les importations qui continuent à augmenter. Mes exportations qui montent. Plutôt une bonne nouvelle. Et je suis à 7% de croissance, hein. C'est plutôt pas mal. 200 milliards de PIB atteint. Bravo! On vient d'atteindre les 200 milliards de PIB. Ça fait plaisir. Oh là là, le PIB par habitant. Oh, il fait que d'augmenter. Ça va être ultra bien, ça. Population sous le seuil de pauvreté, c'est pas possible, ça, par contre. Les inégalités de revenus baissent, hein, malgré tout, par la croissance. Hein. Pourtant, j'ai pas augmenté les salaires. Hein. Je n'ai pas augmenté les salaires. L'inflation, elle est comment? Elle stagne. Ok. Problème. Ah, ils font un programme nucléaire, d'accord. Mais attendez, je vais voir un peu mes espions. Espions. Dis-moi ce qui se passe en Biélo. Elle est où, Biélo? Biélo, Biélo. J'ai pas Russie. J'ai pas pour le moment Russie. Bon, Biélo, tu me feras... Vas-y, fais de l'espionnage politique. Nos agents infiltrés ont l'opportunité d'y... Vas-y, fais un sabotage. Si t'en as envie. Par contre, les Émirats, j'ai beaucoup de choses hein, sur eux. Hein. Qu'est-ce qu'on a chez les Émirats? Ouf. Ok. On a une preuve. Ouh là là. La Jordanie, on a beaucoup de preuves, hein. Ouzbékistan, on a des preuves. Ok, lui, on a une preuve aussi. Pas mal, intéressant. Intéressant qu'on ait des petites preuves un peu partout. C'est pas mal. 202 milliards. Putain, ça booste, hein. C'est pas mal. Belle croissance. Ça fait de la croissance, ça croissance, ça croissance. Biotech, ça donne quoi? Est-ce qu'on gagne en part de marché? J'ai pas regardé. Ça a l'air d'être stable. Par contre, ma consommation augmente, mais pas ma production. Bon. Après, c'est complexe. Les composants électro, ça monte, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Plutôt pas mal. À continuer. L'aéro, on en est où? 1,15. Ok. Vous êtes en train de donner un merci bon de penser à l'éco. Bien nos évidemment. L'écologie, ça donne quoi d'ailleurs? Environnement. Ça baisse, mais ça commence à stagner. Hein. Après. On va voir Madame Animal. Enfin, Madame Animaux. Pourquoi elle nous aime pas? Vas-y, je vais voir aussi Chasseur. Et je vais voir écolo, vas-y, allez, hop, on met les écolos. Tac, tac. 203 milliards, parfait. On va bientôt atteindre 5000 euros de PIB par habitant. Ma population, elle baisse toujours. Ah, beaucoup moins rapidement. Assurance de vie... catastrophique.
IDH, bon. Bon. On va voir un petit peu ce que ça va donner, hein. Volontiers. Bien noir et bien serré. Ah ben tout de même, un peu de savoir-vivre. J'ai... Oui, je sais, on me le dit souvent. Non, vraiment, je n'aime pas trop les compliments. Ok. Vous manquez pas d'air. Me dire ça à moi? Oh, fais chier. Mais y a que ça qui pourrait la calmer. Mais oui, à vous. Volontiers. Lui, on pourrait s'en faire un allié. Oui, je sais. Ok. Non, vraiment, je n'aime pas. Ok. Pourquoi il y a un... Ah, bravo, 30 millions de Français ont reçu un vaccin. Wouh. Soit, si ça peut vous faire plaisir. Bravo. Mon frère, il en a eu deux. Moi, j'en ai eu qu'un pour le moment. Enfin bon, là, il est malade à cause du vaccin. C'est un effet secondaire, hein, évidemment. Ah, oui. Il le sait, on le sait tous. De tout cœur, merci. Tant d'hommes et de femmes. Soit. Soit, si ça peut vous faire plaisir. Oh. Oh, il est très populaire. Oh là 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 là. Le coup de génie que j'ai fait. 100% de popularité qu'il a. Aïe aïe aïe. En plus, il prend la carte de mon parti. Mais c'est génial. Décollage. C'est vrai. On avait notre petit programme spatial. Ah, ok. Oh, ils ont rajouté. Je l'avais jamais vu alors. Pardon. Je l'avais jamais vu. Oh, 2023, ce truc. Oh, ils ont tellement fait de choses. Ok. Parfait. Ok, ça peut être intéressant. Du coup, notre programme, c'était quoi déjà? Terre, lanceur léger. Ah oui, c'est vrai. Pourcentage d'échec, 8%. Bon, on va prier pour que ça n'échoue pas. Hein. J'ai pas augmenté le prix, mais... J'espère qu'on n'aura pas un échec. Électricité nucléaire, électricité fossile. Est-ce qu'on a... En vrai, si on pouvait créer une centrale à fusion... Mais on n'a toujours pas la techno hein, pour ça, je crois. On n'a que la 3G, mais pas la fusion. Oh là là. 4 centrales nucléaires, ça équivaut quasi à 390 centrales fossiles. En plus, c'est tellement bas carbone. Notre réseau est... Oi, oi, oi. Notre balance commerciale qui fait que de monter. On est un pays exportateur, mesdames et messieurs. Par contre, on est très nul en termes de... Décollage. Il est là. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'espère que ça va pas exploser.
Ok, j'ai une trésorerie. Oh. Je prie là. Oh! Ça a pas explosé! Wouh! Yes! C'est une réussite! Ça a pas explosé! Yes! Putain, 8% d'explosion, hein! La mission s'est donc achevée hier soir à la salle de contrôle dans une atmosphère de fête. Il faut dire que l'équipe de scientifiques avait des raisons d'être comblée. Ah bah ouais! La réussite totale de son programme spatial. Le directeur du programme a salué les responsables politiques d'avoir pris l'initiative de cette longue aventure scientifique et d'en avoir réuni les moyens suffisants pour garantir sa réussite. Un grand succès pour notre nation, a-t-il conclu. Ah bah oui, on a lancé un truc spatial, quoi. Premier truc. Aucun incident à situer, pour le moment, ça c'est bien. Attendez, ça n'a pas explosé, mais c'est pas fini, hein. Ok, on a toujours de l'excédent. Ouh, ça nous a bien fait du bien, là, cet excédent. Ah ouais, pour la recherche spatiale, ça c'est une excellente nouvelle pour notre pays. C'est un excellent moyen pour notre pays. Ça c'est très bien. Alors, il faudrait qu'on investisse un peu plus dans les autoroutes parce que... Pas beaucoup d'autoroutes, j'ai l'impression. Genre, tu vois, des petites autoroutes comme ça, là. Paf. Des toutes petites. Genre... Ah, mais pourquoi cette ville est pas reliée, d'ailleurs? Genre ça, cette route, elle pourrait être à Kiev. Tac. Il n'y a pas des petites villes qui pourraient être intéressantes à relier? Bah, tiens, toi, pourquoi t'es pas relié à Kiev? Ça pourrait être intéressant, paf. Écoutez, on va commencer à relier ces villes, là aussi. Ah, merde. Non. Bon, écoutez, ça construit. Voilà, des petites autoroutes qui commencent à construire. D'ailleurs, ça va être un poil politique, vu qu'on va entourer le Donbass, Est, et montrer notre développement économique. Hop là. Hop là. Voilà, on entoure un peu le Donbass pour montrer que on commence, hein, ça construit, ça fait des choses. On construit, on commence à être prospère. Tac. Ça construit, on est juste à côté. Regardez, c'est plutôt beau ça. Ça fait plaisir. Lancement des travaux. Travaux. 205 milliards. Bon, ah, mais il faut s'arrêter là, hein, pour la vidéo. 34 minutes, c'est beaucoup trop beau pour le watch time. Bien, mesdames et messieurs, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut tout le monde.